Bonjour Mathieu Lucien, j'espère que vous allez bien. Moi très bien. On va ouvrir les calendriers. On est le 1er décembre. Mais je voulais vous dire, vous n'aurez pas la vidéo tous les jours parce que comme je suis à l'école et que je fais 9h, enfin que je vais pour 9h et que je finis à 4h et le temps de revenir en métro. Je suis pas là avant 4h30, puis me suis rentre, il faut faire à manger, prendre sa douche et tout le tralala. Je n'ai pas le temps de vous montez la vidéo par jour, du coup on va le faire par semaine. Comme ça, le. Bon, ici on est vendredi. Je sais pas là quand je vais vous la mettre, celle-ci. Elle sera peut-être un peu plus longue que les autres. Du coup, j'ai pas énormément de cadeaux. De cadeaux. De trucs à ouvrir, mais j'ai un calendrier de l'Avent de pierre. Ça, c'est déjà ça. Et un gros colis que vous avez vu là, pop, 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 que on a fait avec Mademoiselle Mariette, que vous l'avez déjà vu sur la chaîne, et du coup on s'est fait un petit calendrier de l'Avent nous-mêmes. Oh, c'est lourd. Voilà, comme ça. Du coup, voilà. Maintenant, il faut que je trouve le 1. J'ai le 4. Et ça, c'est autre chose. Le 7, le 15, le 5. Le 10. Bon, il est où le 1? Le 13. Le 3. Le 2. Ah, ça se rapproche, je suis au 2. Je sais pas où il est le 1. Le 14. Le 8. Le 10. Je vais devoir tout retirer. Le 5. Le 4. Le 4, ça bouge. Ça m'a perturbé là. Le 7, mais j'espère qu'il ne s'accasse pas. Le 12, mais il est où le 1? On m'a fait une blague, c'est pas le 1. 11, 9, 1, j'ai trouvé le 1. Il y en a un, il s'est échappé. On va mettre le 2 devant. Là, demain. Alors, elle m'a mis un petit flocon. C'est tout mou. Franchement, j'ai aucune idée. Est-ce qu'on ouvre celui-là ou le calendrier de l'avant? Enfin, celui-là. Moi, j'ai envie d'ouvrir celui-là. Par contre, j'aurais dû allumer la lumière qui est là. Attendez, je reviens, j'allume pour voir clair. Je crois que c'est un peu mieux la lumière comme ça. Du coup, voilà. Je n'avais pas payé cher celui-ci. Oh, il y a des tocolas. Aujourd'hui, c'est la journée où c'est la galère. Bien sûr, j'ai pas les ciseaux. Je vais chercher les ciseaux, je reviens. Voilà, je l'ai ouvert. Enfin, j'espère. Ah, elle est encore là au-dessus. Heureusement, je les ai pris avec moi. Il colle bien. Hop. Voilà, il se présente comme ceci, garde ce mignon. Du coup, la case. Ah, elle est où? Elle est juste ici. Ici. C'est une améthyste relaxante et calme. Regarde. Elle est belle. Voilà. Relaxant et calme. C'est comme je suis, mais relaxant, c'est ce qu'il me faudrait. Du coup, on va ouvrir celui de Mariette. Je suis impatiente. Je vois rien. Alors, on va ouvrir ça correctement. Qu'est-ce qu'on va avoir? Moi, je ne sais plus ce que je lui ai mis au premier. Ah, d'accord. Du coup, j'ai un boule Mickey comme ça. Il est bien fait. Et un petit marque-page avec un petit renard et des poissons. Voilà. Et vous aurez dans la journée, bien sûr, je crois que je l'ai écrabouillé.
Je vais vous prendre en même temps. Excusez-moi, je suis malade. Je vais lire aussi si on éteignait les étoiles de Erika Voyer. Je peux déjà vous en parler un petit peu. Je l'ai croisée au Salon du Livre à Mons. J'ai la dédicace. Et hier, j'aurais bien voulu ouvrir le vlog déjà, mais j'étais pas là. Enfin, j'ai pas su l'ouvrir. J'ai lu le prologue qui fait 15 pages, je crois. Ouais, un petit peu, 16 pages. Et là, je suis au mois de décembre. Du coup, ici, on va. Ça, c'est le tome 2. Je vous conseille de lire le tome 1 avant de lire celui-là. De toute façon, elle le met ici. Voilà, le tome 1, il est là. Je crois que je l'avais lu l'année passée. Et pour le moment, ben, je suis contente de retrouver c'est Elliot et Sora dans leur histoire d'étoiles. En fait, c'est les deux personnages. Je vous parle du tome 1. Je ne sais plus si c'est elle ou lui. Je crois que c'était lui. Qui avait fait une jarre, un pot, une jarre, comme, je ne sais pas comment on peut le dire. Qui avait mis tout. Qui avait fait 24 vœux. Et à chaque fois, il y en a. Je crois que c'est. Je sais jamais, Sarah. Je crois que c'est elle qui ouvrait les. Ou c'est lui? Non, je crois que c'est lui, Elliot, qui ouvrait les étoiles de Sarah et il réalisait le vœu de Sarah l'année passée. Et j'avais apprécié cette histoire. Et on peut le lire juste le 1 ou dire le 2. Enfin, lire que le 1, mais moi je préfère continuer la suite. Et voilà. Et ici, là, je vous lis juste la phrase d'accroche. 25 jours, 25 vœux et 25 raisons d'être heureux. Une fois de plus, décembre sera mouvementé. Voilà. Du coup, je suis à présent de lire le 1er décembre et je pense que je vais pas traîner à lire ça. Et je ne sais pas combien il fait de pages. Attendez, je vais pas vous dire de bêtises. Et j'essaie de pas trop traîner mon pain, c'est le premier jour. Du 17 à 29. 17 à 29, ça fait. C'est le matin, je sais plus compter. Ouais. Comme ça, vous savez, il fait pas beaucoup de pages par jour. Voilà pour ça. Et en parallèle, quand j'aurai fini cette lecture, je ne le trouve pas. Je vais chercher tantôt après. Je vais vous le montrer sur la liseuse, s'il veut bien. J'ai mon qui me fait mal. Voilà. Allez, ouvre-toi. Que je vous montre. J'espère qu'elle sera assez lumineuse pour vous. Ouais, ça va. Un chat, deux sapins et beaucoup de complications. Je lirai celui-ci en parallèle de celle-là et je vous tiendrai au courant des deux. Bon, celle-ci, elle passe en deuxième. Hein. Si je ne l'avance pas dans celle-ci, ce n'est pas grave. Celle qui doit avancer le plus, c'est celle-là, comme c'est le calendrier de l'Avent. Mais voilà ce que vous aurez dans ce vlog cette semaine. On est vendredi. Je verrai. Peut-être que dimanche, je vous prendrai dimanche, jusque dimanche. Je le conclurai ce vlog. Je vous le mettrai directement pour le lundi. Je vous montrerai le dimanche matin si il n'y a rien qui se passe. Comme ça, vous aurez déjà les 3 jours là. Et la semaine prochaine, vous l'aurez la semaine complète. On aura moins de blabla à parler qu'aujourd'hui, le jour le plus important de l'ouverture. Voilà. Sur ce, est-ce que vous voulez savoir ce que j'ai mis à ma chère Mariette? Du coup, je vais garder, j'ai cherché la feuille. Je reviens. Me revoilà avec les trucs. Je lui avais marqué pour son premier. Comme elle ne le verra pas tout de suite, ça tombe bien. On a toujours besoin, comme phrase qu'elle doit deviner. Et le cadeau, c'est un petit sac. Sac en bandoulière. Petit comme. Avec l'écrit M Mickey dessus. Et comme c'est Mariette, un M. Voilà.
Et le reste, je vous dirai demain, c'est la suite. Pourquoi? Ah ouais, là, je me suis trompée. Ouais. Il faudra que je me trompe pas avec le 2 et le 3. Voilà, sur ce, moi, je vous laisse, que c'est déjà 10 minutes. Et là, il est, je ne sais pas quelle heure, 7h14. Il faut que je mette absolument ma gourde dans mon sac, que je mette mes chaussures, que j'aille me faire mon dernier pipi et je démarre. Voilà, j'aurai pas le temps de lire là, c'est pas grave, je lirai à l'école en entendant les autres. Voilà, sur ce, j'espère que ce petit premier jour d'ouverture vous a plu. Moi, je suis très contente, il est trop beau. Je pense que ça, il va aller dans une chambre, vous verrez plus tard. Toujours pas dit mon secret. Voilà. Enfin, j'ai plein de trucs à dire pour le moment, mais je peux pas dire. Je suis pas sûre à 100%. Voilà. Et j'aime beaucoup le marque-page avec un petit renard. Voilà, il est trop beau. Je suis un peu moins fan des poissons, mais celui-là, il est trop beau. J'aime bien le petit renard. Voilà. Mais celui-là, il est trop beau. J'aime bien. Voilà. J'en ai déjà plein d'animaux encore à lire. Encore un marque-page. Voilà. Du coup, voilà pour les premiers cadeaux de ce 1er décembre. On est impatient d'ouvrir la suite. Sur ce, moi, je vous dis à plus tard. De toute façon, à tout à l'heure, parce que je vous tiendrai au courant de ma lecture. Et moi, je vous fais des gros bisous. À tantôt et à demain. Plutôt à tantôt. Je suis peut-être attendre. Bon, si vous m'avez pas tantôt, ce sera demain matin. Je vous tiendrai au courant de ce que j'ai lu. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous pour le premier jour. Bonjour, mes petites Lucia. J'espère que vous allez bien. Regardez pas la tête. On est tôt au matin. J'ai presque plus de voix. Je suis vraiment pas bien. J'ai froid. Mais on est là pour ouvrir nos calendriers de l'Avent, vous parler de ma lecture, parce que je vous en ai pas parlé hier, je me suis beaucoup reposée, mais j'ai lu la partie d'hier, et j'ai plus qu'à lire la partie du jour aujourd'hui, on est le 2 décembre, je n'ai pas encore lu. Pour la partie de hier, j'ai adoré, enfin, je suis contente de retrouver ces personnages, j'ai envie de le lire. J'ai lu, je sais plus combien de pages j'ai dit. Je suis arrivée à la page 29. Voilà. Mais j'avais envie de continuer. J'avais pas envie de m'arrêter sur cette lancée. Franchement, je vous tiendrai plus au courant. Mais foncez lire cette calendrier de l'Avent. Il est top, top, top. Là, je filme ici la partie d'ouvrir les cadeaux. Et puis, je vais lire un tout petit peu, pas longtemps. Par contre, Maliseuse, hier, je ne l'ai pas lu. Le chat me dit plus, je sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Un chat de sapin et beaucoup de complications. Je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas avancé dans cette lecture. Ce sera pour tout à l'heure, je pense. Voilà, enfin, ça dépendra si j'arrive à lire ou pas le reste. Mais aujourd'hui, on va ouvrir du coup la case numéro 2. J'ai le petit cadeau de Mariette. Mais on va se faire la pierre en premier parce que j'ai envie de garder le suspense encore un moment, même si je suis impatiente parce que ça fait du bruit. Mais j'ai un doute. Je vous dirai ce que je pense. La case 2, elle se trouve juste ici. On la voit bien. C'est une pierre jagle jaune, déculpabilisation. C'est ce qu'il me faudrait. Elle est belle, elle est grosse celle-ci. Hop, elle est un peu jaune. Je sais pas si vous la voyez. C'est pas des bonnes lumières. Voilà, mais elle est assez grosse. C'est un gros caillou à pour hier et la case numéro 2 de Mariette. En touchant comme ça, je tâte, hein. J'ai l'impression ou c'est des boucles d'oreilles bijoux ou alors c'est un
Oh, marque-page métallique. Parce que là, je sens que c'est dur. Là, je sens qu'il y a des boules. Du coup, je sais pas. J'ai un doute. Des boucles d'oreilles, un collier ou un marque-page. Moi, je dirais ça. Comme vous voyez, je suis pas sûre à 100%. Ah ben, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est un porte-clés. C'est un porte-clés Oana. Oana signifie famille. Il est trop beau, tout en métal. Vous avez la petite fleur là. Et là, vous avez, bien sûr, je ne sais pas la voir, une petite perle rose. Ouais, il est trop beau. Je vais regarder ce que je vais retirer sur mes clés et mettre celui-là à la place. Voilà. J'ai retiré. Je vais essayer de vous insérer la partie d'hier, la photo que Mariette m'a envoyée. Je vais essayer de ne pas l'oublier. Vous l'insérer de son cadeau. Voilà, parce que hier, je vous avais dit, j'avais lu la petite question. Alors, aujourd'hui, pour Mariette, je l'ai mis pour être toujours à la page. Et du coup, c'est des marque-pages. Et je lui demanderai la photo et je vous l'insérerai là. Voilà. Et demain, c'est un beau cadeau. Voilà. Tout le temps, elle ne le verra pas avant. Voilà. Du coup, je suis très contente de mon petit Stitch. Il est trop beau. Il est trop mignon. On en a toujours besoin des porte-clés. Il est beau. Il est trop beau. Voilà. Très contente de mon petit porte-clés. De ma petite pierre. Je ne sais plus le nom. Il faudra que je monte à monsieur. Et alors, j'ai fait une petite commande hier. Enfin, hier. J'ai reçu hier. Je l'ai ouvert sans vous. Normalement, ça se passe dans les vlogs. Mais là, je vais vous le montrer parce que j'ai vraiment pas envie de faire deux vidéos en même temps. Le tome 1. Il est trop beau. Le tome 2. Et le tome 2. Oui, c'est des courses poils. Mais ça vaut le coup. C'est la. Car la caserne n'en entient. Un remplition. Flora Stark. Flora Stark. Voilà. Je crois que c'est son nom. Et là, il est marqué le passé s'empêche d'avancer. Elle va tout changer. Mais j'aime beaucoup. J'aime bien tout ce qui est film sur des casernes. Du coup, voilà. J'avais trop envie de me le prendre. Et je sais pas, mais là j'ai envie de le lire, mais je peux pas, j'ai déjà deux lectures en cours. Du coup, ici on va, je vais vous lire un petit peu la quatrième de couverture. Vous voyez, y a pas grand chose. Désolée si je tousse, mais vous entendez, je suis malade. Elisabeth Riley est déterminée à ambitieuse et volcanique. Journaliste, elle n'a pas sa langue dans sa poche, même sa bonne humeur et sa bienveillance la rendent irrisiblement suite à un passage amoureux difficile. Elle attire traite sur les hommes, sans problème. Il y a tout le monde qui dort, il y a mon chat là qui dort, il y a mon chien qui dort derrière moi, il y a un monsieur Woody qui se balade. Son papa est parti depuis 5h du matin, 5h30, et il est, pour vous dire, 7h. Je suis réveillée depuis 5h30, hein, j'ai plus dormi. Bon, on va lire la suite. Alors, sa rencontre avec Mathieu Wilson, le lieu unique et élitique, une grimpe au sien de la caserne entière, séduisant, nettoie et aussi élastique qu'il supporte avec sa plastie de rêve et son regard ténébreux et il impossible de lui résister. Ouh, il va voir un truc avec la journaliste. Ouh, j'adore. Je suis déjà fan.
Son immersion au sein de la caserne va inverser le plus enventement que prévu. L'attention volant qui le lie va faire étincelle. Il risque de se brûler les ailes. Lisa va-t-elle arriver à découvrir ce qui se cache derrière l'apparence? Alors, il y a la petite phrase, deux petites questions qui marquent. Que cache cet homme torturé, mystérieux? Oh, un homme torturé, mystérieux. Ouh, qu'il m'en a plus. La blessure du passé peuvent-elles être guéries? Oui, ça peut être guéri, non? Vous pensez quoi, vous? Dites-moi en commentaire. Et franchement, il a l'air bien en plus. Du coup, c'est une autrice auto-publiée. C'est ça, auto-publiée qu'on dit. Elle se publie elle-même. Et elle était au salon du livre à Mons. J'ai craqué pour la couverture. J'avais vu la couverture. Mais j'avais pris qu'une petite somme avec moi. Du coup, j'ai pas acheté. Et j'avais même pas lu le résumé parce que j'avais peur de craquer. Et quand je suis rentrée, je sais pas pourquoi, mais il a fallu que j'aille voir après le livre. Et pas moyen de trouver le nom. Je savais que c'était un truc avec des polices. Du coup, j'ai regardé sur toutes les rushs que j'ai pu trouver. Enfin, les rushs, les photos. Toutes les personnes que j'ai vues mettre des photos de Mons. Et c'est comme ça que je les ai retrouvées. Merci à Erika Boyer qui était juste à côté, qui a beaucoup de photos d'elle sur les réseaux. Et grâce à ça, j'ai pu la retrouver, le nom du livre. Voilà. Mais il me donne trop envie. Il y en a, je crois qu'il y a 4 tomes qui sont déjà sortis. Le tome 2, il est beau aussi. Voilà. Et là, il n'y a pas de petite phrase d'accroche. Non. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais celui-là, il a l'air plus énorme que les autres. Will va-t-elle arriver à faire fondre le cœur de glace de Cassie? Cassie va-t-elle, une fois arrivée, à se lâcher prise? Ça, c'est le deuxième tome. Et par contre, je sais pas si vous allez voir. On voit pas. Il a été un peu plié. Bon, du coup, on va essayer de le remettre sur des livres pour le remettre un petit peu. Voilà. Je sais pas combien de pages il fait. Ça, c'est le tome 1. Ah oui, quand même. 430. Et celui-ci, 430. Oh, ça va, il n'est pas énorme plus que ça. Je pensais plus. Auto-édité qu'il est marqué, ouais. Imprimé à la demande. 464. Voilà. Il a été. Je sais pas, on voit un petit peu là qu'il a été plié. Dans le carton, voilà. Mais je suis trop contente d'avoir les deux bébés. Mais ils sont trop beaux, trop beaux. Voilà. Je pense que ils vont pas faire long feu. Enfin, j'espère qu'ils vont pas faire long feu parce que voilà. Voilà pour cette partie du jour. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Juste que je suis pas bien, que j'ai envie d'aller me mettre là un petit peu. Est-ce que 7h45, pas très longtemps. Pour bouquiner un tout petit peu et puis je vais en France avec ma mamie faire quelques courses, je vais voir mon psy et après je reviens et j'aurai la machine qui est terminée de tourner qu'il faudra que je mette sécher quand je rentre parce que là elle est trop tôt, mon voisin va gueuler si je la mets en route, enfin que je mets sécher maintenant, il va me dire tu fais des bruits, voilà, vous voyez les voisins, voilà, ça ira mieux dans quelques. Un an, allez, croisons les doigts. Dans un an, je suis plus ici. Dans un an, je suis plus ici. Voilà. Et avec plein de surprises qui va arriver dans bientôt quelques mois, je n'ai toujours rien dit. J'ai vraiment été très muette. Et puis, vous voyez pas, je suis fatiguée, mais il y a une raison que je suis fatiguée. Je vous tiendrai au courant. Ceux qui ont une idée, vous pouvez le marquer. Je sais qu'il y en a qui ont des idées. Comme Mariette qui regarde la vidéo. Enfin, je suppose qu'elle regardera la vidéo. Elle est au courant. Voilà. Et d'autres personnes qui ne sont pas au courant. Dites-moi si vous avez une idée. Pourquoi je suis fatiguée. Je ne peux pas dire trop d'indices parce que c'est facile à trouver quand même. Voilà. Et on se retrouve demain pour la case 3.
Et demain, quand j'aurai fini la case 3, je ne sais pas si je vous parlerai de livre. Enfin, demain, j'essaierai de vous prendre. J'essaierai de lire le tome. Le 3 avant de vous prendre. Enfin, je verrai. Je verrai comment. Comme ça, après, j'y ferai le montage directement et que je vous l'insère pour lundi matin. Pour avoir au moins les 3 cases. Déjà, comme ça, vous serez tranquille. Et à partir de lundi, je ferai. Je sais pas si je fais du lundi au mercredi. Parce que mercredi, je suis pas sûre que je serai mon faire le montage de la vidéo. Mais si je prends du. Peut-être. Je vais essayer, je verrai bien. Je sais pas si je fais par 3 cases ou je fais la semaine complète. Du samedi. Enfin, du lundi au dimanche. Le dimanche, je sais la montée. Logiquement, le dimanche, je sais les montées. Il y a que le samedi que ça, je sais que je. Il y a des jours. Enfin, des week-ends, oui, mais des week-ends, non. Parce qu'on n'est pas toujours là le samedi. Voilà. Mais ça, je vous. Vous verrez. De toute façon, ici, dimanche, je vous prendrai. Je sais pas si j'aurai lu Rika Voyer. Vous l'aurez dans l'autre, après, s'il faut. Mais c'est pas grave. Je conclurai le vlog. Enfin, le vlog masse, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas encore de guirlande. Guirlande. Je sais plus parler, je suis fatiguée. Voilà. Pourtant, j'ai bien dormi, hein, je vous le dis. Hein, mais voilà. Il y a des choses qui font que on dort moins bien. Voilà, sur ce, moi je vais vous laisser. Il faudra que je retrouve aussi mon pull Noël Stitch et les autres que j'ai pas encore trouvé. Il faudra que je les retrouve. Voilà, sur ce, je vous laisse. Moi je vous souhaite une bonne journée du jour 2. Même si vous le verrez plus tard. J'espère que cette journée-là vous serez bien. Ce serait bien passé. Parce qu'on est samedi quand même. Que ce samedi sera bien passé. Vous aurez profité. Profitez un max. Voilà, moi sur ce, je vous dis à plus tard pour la case 3 demain, pour vous tout de suite. Moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain. Bonjour, Métilucelle, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour ouvrir les calendriers de l'avant de ce petit vlog masse. Du coup, on va commencer toujours par les petites. Pierre, je suis juste à côté aujourd'hui. Et oui, je suis dans mon lit. J'ai vraiment pas envie de bouger. J'ai froid. On est le 3. Du coup, on va ouvrir les cases 3. Il est juste ici. Alors, qu'est-ce. Oh, je vais voir. C'est une agate. Agate, soutien et accroît. En croide. Ah, elle est grosse aussi. J'ai même pas la sortie. Faut qu'elle est grosse. Waouh, elle est vraiment belle. Elle est tout sur monsieur. Elle est belle. La première, elle avait une toute petite. Celle-ci, elle est vraiment toute jolie. Il y a même un petit trou là pour mettre son doigt. Elle est belle. Je l'ai perdue. Elle est mignonne. Voilà. Et après, on a le. Maintenant, il est marqué là. Agathe. Là, j'ai aucune idée. Là, ça bouge un petit peu. Franchement, là, j'ai aucune idée. Elle a fait un petit dessin de sapin, là. Mais je sais pas du tout. J'ai aucune idée du calendrier de Mariette aujourd'hui. Enfin, hier, j'avais pas bon alors. On essaie de deviner, mais. Ah! Oui, d'accord, je compris. Je sais, c'était quoi? Moi je voulais pas trouver, j'ai voulu lui prendre, mais je l'ai pas trouvé. Le parfum de Stitch, eau de toilette, vaporisateur naturel, spray de Stitch. Moi je lui ai pris. Mais je vais pas lui dire parce que si elle regarde le vlog, elle l'aura pas aujourd'hui du coup. Mais j'en ai pris un aussi, mais pas Stitch, parce que je ne l'ai pas trouvé moi Stitch. Le Stitch, je ne l'ai pas trouvé. Elle est trop belle. Il est beau, Stitch.
que chez moi, il n'y avait pas. J'ai pris celui de clochette, mais si je ne t'ai pas trouvé. J'essaie de sortir la bouteille sans tout casser. Mais il est dans. Hop, voilà. On va remettre. La bouteille, elle se présente comme ceci. Voilà. Avec un petit ananas. Ça, vous pouvez le retirer pour l'attacher ailleurs si vous voulez. Et du coup, on le met sur monsieur. Mais sur monsieur. Il y a mon chat qui me regarde. Tu viens? Il sent bon. J'ai un peu le nez encombré. Je vais pas vous montrer, mais il y a mon fils qui. Tu veux sentir? Il fait déjà ses yeux comme ça. C'est le calendrier de Mariette. Je m'en vais alors. Ils sont bons. C'est. Ça n'a pas l'air de lui plaire. Ah ouais, ils sont bons. On va le remettre dans sa boîte. Mais trop contente. J'ai du Stitch. Moi qui voulais trop la bouteille de Stitch en plus. C'est ça que je sentais tantôt. Quand j'appuyais, c'était moula, mais c'était le plastique que je sentais. Voilà. Et ça, c'était dur. Mais oui, c'est le parfum. Voilà. Je sais pas s'il y a un goût. S'il y a. Marqué quelque chose. Parce que. Ça sent pas le l'ananas. Je cherche s'il y a un goût agrédient. Non, il n'y a pas de citron. En plus, il n'y a pas. Le français, c'est la liquide vapeur très enflammable, tenir à l'écart de la chaleur, surface chaude, éteinte les flammes. Ouais, ok. Ne pas fumer. Conserver. Et il n'y a pas de. Par contre, c'est. Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans. Voilà. Et du coup, je vous dis aujourd'hui ce qu'elle va avoir. J'ai marqué comme intitulé pour grandir ta collection. Et c'est un. Elle m'enverra la photo, je vous la posterai, je vous la mettrai là, comme je ferai avec les autres. Comme elle m'envoie les photos, je vous la mettrai là. Comme ça, vous verrez ce qu'elle a eu et en même temps, vous verrez ce que moi, j'ai eu, tout ça. Mais je vais essayer d'avoir la photo avant que je monte ce vlog, parce que je vais monter ce vlog. En même temps, je vais vous parler de la partie d'hier. Ah ben, voilà Mariette, si je dis pas de bêtises, soit c'est elle. Et si on éternait les étoiles, j'ai le chapitre 2. Oh, hier, j'avais trop envie de continuer au matin avant de partir. Ça, je vous l'avais dit, j'ai lu la partie du jour. Ma mamie m'a sonné, il me restait une page. Je vous montre ce qu'il me restait. Allez, il me restait ça à lire avant de partir. Et je me dis, non, je veux lire avant de partir. Du coup, j'ai vite lu la partie en allant aux toilettes pour avant de partir pour être sûre d'avoir pas de problème parce que c'est quand même. Trois quarts d'heure de voiture. J'ai fait hier, aller-retour bien sûr. Et je voulais absolument lire la partie, cette petite partie-là avant de partir. Du coup, je l'ai lu et j'adore. On reçoit toujours les mêmes personnages, comme vous savez, c'est le tome 2. Et franchement, à la fin, enfin, je ne vais pas tout vous spoiler du premier parce qu'il faut lire le tome. Ouais, le premier, mais dans le premier, en fait, on va suivre. Sora et je sais jamais son nom à elle. Je sais plus. C'est Sarah. Sora et Elliot. Et il y en a un des deux qui n'a pas ses parents chez lui. Ils sont partis
dans un autre pays et il fait élever ses sœurs et ses frères. Et là, ses parents sont revenus et là, il passe les années, enfin, l'année complète avec eux. Et du coup, il y en a un des frères qui se venge. Et eux, ils sont amis depuis de l'enfance. Et là, il y a une attirance entre eux et ils sont en couple depuis la fin du tome. Enfin, je peux pas vous dire, mais trop pis. Du tome 1, je vous spoil un peu. Et là, il y a des trucs qui se passent entre eux deux. Et du coup, c'est trop bien parce que ça va en douceur. Ils apprennent à se connaître physiquement. Et j'ai trop envie de savoir aujourd'hui la suite. Je vais lire là maintenant la partie du jour. De 45 à... Je sais pas combien elle fait de pages. Je vais tirer le marque-page, j'aurais plus facile. Ah ouais. 60. De 45 à 60. À lire aujourd'hui. Du coup, je vais lire ça maintenant et après j'irai faire mon boulot à la maison parce qu'aujourd'hui je commence plus tard, il est 9h30. Enfin, il y a longtemps qu'on est levé, mais on a déjeuné à notre aise, on a chipoté, monsieur est en train de regarder une vidéo, je crois, avec ses écouteurs. Du coup, voilà, moi je vais vite lire ça et puis je vais aller faire des machines, il y a la vaisselle à faire, une connerie de mon petit chien à ramasser. Du coup, il y a plein de choses à faire. Voilà. Mais j'espère que ce petit morceau vous aura plu. Moi, je coupe aujourd'hui ce vlog. Je voudrais la partie 3 ben, demain. Pour moi, demain. Pour vous, je sais pas quand je vous fais. Je sais pas si je l'ai fait en 3 jours ou si je le fais la semaine complète. Mais je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à aller sur Insta. Il est dans la barre d'infos. C'est Bébé Clochette 10. Je mets les photos de tous les jours de mes petits cadeaux de du jour. Voilà. Comme ça, tout le monde voit le jour même ce que j'ai reçu. Et voilà. Et là, je vais aller lire ma partie du jour parce que j'ai trop envie de continuer. J'ai, ah oui, un petit peu avancé hier soir, mais pas beaucoup. Je suis à 4% de ma lecture du Un chat de sapin et beaucoup de complicité. Voilà, je suis à 4%. C'est pas énorme, mais j'ai déjà lu 4%. Je suis déjà contente. Voilà, mais je vais lire cette partie-là et après-midi, je lis ça. Voilà, il faut que je lise un peu plus. Voilà, et sur ce, ben moi, je vais vous laisser là. J'espère que ce début de ouverture de calendrier de l'Avent vous aura plu. Moi, il me plaît beaucoup. J'ai été gâtée. J'ai eu des beaux cadeaux jusque maintenant. J'espère que la suite sera encore meilleure. Comme on peut toujours le meilleur pour la fin. Voilà. Et voilà. Sur ce, moi, je vous laisse là. Et je vous souhaite un bon dimanche. Enfin, quand vous regarderez cette vidéo, ce sera un bon lundi. Que votre semaine commence bien. Avec des jolis cadeaux aussi si vous faites un calendrier de l'Avent avec plein de petites surprises. Et sur ce, moi je vous souhaite un bon lundi. Moi ce sera un bon dimanche. Et moi je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Et on se retrouve demain pour la case 4 déjà du calendrier de l'Avent de Mariette et de des pierres. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.